Rebonjour tout le monde. Alors voilà, je voulais parler avec vous. J'en reviens encore sur ce sujet. Je suis désolée. Je sais que on ne parle que de ça partout, mais bon. Chut! Oh, ces oiseaux. Je voulais vous parler donc de ce coronavirus. J'arrive même pas à prononcer son nom. Moi, je l'appelle le connard virus, mais bon. Alors donc, bah écoutez, moi, au vu de ma maladie, bon, vous le savez tous maintenant que je suis très malade. D'ailleurs, cet hiver, j'ai passé un sale hiver. Franchement, j'ai bien cru que j'allais plus revenir. Mais bon, je suis toujours là. Et puis, bah, écoutez, ce corona, ça fait très très peur. Et du coup, bah, moi, j'ai décidé de plus sortir de la maison. Je suis allée avant-hier chez mon médecin. Je me suis pris des médicaments pour 3 mois à peu près. Pour tout ce qui est pour ma maladie, bien sûr. Et pour les douleurs que j'ai, parce que j'ai de terribles douleurs dans le dos qui sont dues à ma prise excessive de cortisone, donc tous mes os sont bah, ils tombent en miettes carrément, voilà. Et donc voilà quoi, donc j'ai pris des médicaments pour 3 mois. Et puis là, ben, on a été au magasin, on a trouvé ça, on voulait acheter du gel, vous savez, pour les mains et tout. On a trouvé ça pour la maison. Alors ça contient 43 huiles essentielles naturelles, ça détruit 99,9% des bactéries et des virus. Donc, eh bien, moi, toute la journée avec ça, je pchut, mais bon. Et puis donc, ben là, j'ai décidé de ne plus sortir du tout, quoi. À part peut-être aller me promener près de chez moi, là, il y a un petit chemin de terre où je vais parfois pour promener les chiens. Donc, j'irai peut-être me balader là-bas. Quand j'en aurai marre d'être enfermée, mais je veux dire, je ne vais plus dans les magasins, je ne vais plus nulle part pendant quelque temps, hein, pendant que ce virus, quoi, je sais pas s'ils vont réussir à le dégager ou on verra, mais bon, je vais essayer quand même de l'éviter parce que si moi je l'attrape, franchement, je donne pas cher de ma peau, quoi. Une simple grippe, une simple bronchite, je crois, me tuerait maintenant, donc je vais éviter d'attraper ce corona, quoi. Hein. Alors voilà. Ben écoutez, dites-moi voir ce que vous en pensez. Mais du coup que je suis enfermée, ben j'ai décidé de me faire un atelier dans une pièce du haut. Et donc là, j'aurai beaucoup plus de place. J'ai un grand bureau là-haut. Et puis je pourrai peut-être mieux filmer. Et puis il n'y aura pas les oiseaux. Voilà. Et donc, bon, ce ne sera pas prêt tout de suite parce qu'il faut d'abord vider la pièce. Enfin bref, ranger toutes mes affaires. Voilà. Et puis je vous ferai une petite visite guidée quand l'atelier sera prêt. Et puis bien sûr, eh ben, je me suis lâchée sur les commandes internet parce que du coup, quand je ne peux pas sortir, eh ben, moi, faut que je m'achète des trucs. Et du coup, eh ben, j'ai passé plusieurs commandes. Et puis d'ailleurs, j'ai déjà reçu un paquet tout à l'heure. Je vais vous montrer des choses fantastiques que j'ai achetées sur un site superbe qui se trouve en Pologne. Alors écoutez, j'ai fait 2 commandes le même jour. Une en Pologne, une en France. Et ben, celle de Pologne est arrivée en premier, 2 jours plus tard. Franchement, c'était ultra rapide. Je suis super contente. Bon, je n'ai pas ouvert le paquet. Je vous l'ouvrirai tout à l'heure. Je ne filme pas avec ça. Je ne vais pas dans le même film parce que tout simplement, je vais mettre le petit film du haul sur leur page Facebook. C'est pour ça que je ne vais pas tout mélanger, quoi. Bon, alors, dites-moi ce que vous pensez de ce corona. Est-ce qu'il y en a aussi parmi vous qui sont en panique comme moi ou pas? Je m'inquiète maintenant pour tout le monde. Je m'inquiète pour ma famille, mes enfants, mes petits-enfants. Oh, ça m'énerve tellement que vous savez quoi? Des fois, j'en dors même pas la nuit. Déjà, je dormais pas beaucoup avant, mais alors là, je dors pratiquement plus. Je pense tout le temps qu'à ça. Je fais des cauchemars et tout. Alors, dites-moi ce que vous en pensez, vous. Voilà. Ben, je vous remercie à tous. Et puis bon, ben, du coup, que je suis enfermée, ben, il y aura beaucoup plus de tutos sûrement. C'est là le seul avantage, quoi. Voilà, ben, je vous remercie à tous. Gros gros bisous.